Oh non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Maintenant, Christine Boutin, elle va interdire le porno. C'est qui, ça, Christine Boudin? Non, Christine Boutin, celle qui est anti-pax, anti-avortement, anti-PD, anti-sexe, anti-tout, d'ailleurs. Moi, je vois pas c'est qui, moi. Bon, t'es pas le seul, hein. Elle a fait 1,3 au présidentiel. Bah attends, tu m'étonnes qu'elle se plante. Au présidentiel, avec un programme anti-sexe. Et comment qu'elle est, physiquement? Anti-sexe. Ouais, tout est dit, ouais. De toute façon, c'est les culs bénis, hein, les plus pervers. Non, c'est pas faux. Pourquoi tu dis ça? La semaine dernière, j'étais au chandelier, tu sais, le club échangiste qui a ouvert sur la rocade, là. Et là, mon pote. T'es pas croyable, toi, hein. T'es prêt à tout, hein. Club échangiste, mais comment tu peux, c'est clos. Mais ne juge pas Hervé. À chacun ses fantasmes. La semaine dernière, il y avait un mec qui se faisait fouetter par sa femme, tout sourire qu'ils étaient. Et des gens cultivés, hein. Ils m'ont dit qu'ils adoraient le marquis de Sable. Marquis de Sade, Jean-Claude, le marquis de Sade. Oui, oh, Sable, Sade, c'est pareil. Tu veux, j'ai deux invites pour les choses. Non, mais ça va pas ou quoi? Tu m'as pris pour qui? Je crois que j'ai m'échangé devant des inconnus, moi. De toute façon, le videur, il laisse pas rentrer les hommes seuls. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? La dernière fois, le thème, c'était bal masqué. Moi, je suis venu en Spider-Man. Je peux te dire que j'ai tissé ma toile toute la soirée. Hein. Oh, je sais pas si je pourrais, moi, devant des inconnus comme ça. Mais vas-y, juste pour mater. Hein? Tu vois, c'est un peu comme à l'école, sauf que tu ramènes des devoirs à l'hôtel, et puis que pour une fois, t'es pas mécontent de les faire. Amène Fred. Ça va pas, non? Fred, dans un endroit pareil, oh, rien d'imaginer, des regards libidineux posés sur sa croupe. Oh, non, je pourrais pas. Mais comment tu fais pour y aller avec ta femme, toi? Mais j'emmène pas ma femme, qu'est-ce que tu racontes, Hervé? Ma femme dans une boîte à cul? Et pourquoi pas mon assureur en rodéo pendant que tu y es? Ça va pas, non? La mère de mes enfants? Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, je suis pour le respect des valeurs familiales. Mais tu vas avec qui, alors? Avec ma belle-sœur. Bonjour, Hervé. Salut, Jeanne. Dis-moi, Jeanne, t'as vu le truc à la télé, là, le truc de dingue, hier, les couples qui s'échangent, là? Oh oui, dis donc, j'ai vu ça, c'est incroyable. T'as vu ça? Oh là 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 là, que ça doit être bizarre au début. Moi, ça me dirait bien, hein, ça doit être excitant. Ah ben dis-moi, je te savais pas aussi libérée sur le sujet, ça te motive? Oh, bah tiens, moi aussi, j'adore les expériences nouvelles. Je veux dire, j'aurai l'occasion, j'hésiterai pas une seconde. Ah, faut pas que ça soit trop loin non plus. Hein. Ah ben justement, j'ai un plan en ville, là, tout près d'ici. Ah bon? Ouais. Ici? Bah, ouais. Ici, je vois pas l'intérêt de changer un logement ici contre un autre logement ici. Quoi, qui te parle de logement? Bah toi, attends, tu me parles bien de l'émission où les couples échangent leur logement pendant les vacances, non? Oui, c'est ça. Bah oui, bah moi je suis pas prête d'en échanger, hein. Qui c'est qui voudrait dans deux pièces? Ouais, c'est dommage, c'était deux belles pièces. Bah oui. J'en avais deux qui avaient jamais servi, moi aussi, enfin quasiment. Ah bon? C'est gâchis, hein. C'est dommage. Alors, petit cachotier, on t'a vu rôder sur le parking du chandelier hier soir, hein? C'est à cause de Fred, elle a trouvé les invites dans ma poche, elle a voulu absolument y aller, elle s'est dit que c'était une nouvelle expérience. Ouais. Tu sais comment elle est persuasive? Alors, c'était chaud, hein? J'en sais rien, j'ai pas pu rentrer, moi. Le videur, il m'a dit qu'avec ma mallette, ça faisait trop fonctionnaire. Par contre, elle est rentrée. Je l'ai attendue jusqu'au petit matin, elle est jamais sortie. Ça ferme pas ou quoi, ce club? Ben non, ça ferme pas. Jamais. C'est toi qui sors quand t'en as marre. Ben elle doit être bien, alors, ça me rassure.